il y a vraiment un intérêt particulier à mobiliser pleinement le potentiel des kinésithérapeutes pour répondre aux enjeux du système de santé et aux besoins des patients. Et pour cela, il faut accélérer l'autonomie de la profession sur quatre points essentiels. Le premier, c'est principalement de reconnaître le statut de profession médicale à la kinésithérapie. Dans le cadre de notre formation initiale, nous sommes en fait obligés de conventionner avec les universités. Donc il faut intégrer pleinement l'année universitaire précédant les études dans l'entrée aux IFMK au modèle médecine, maïeutique, odontologie et pharmaceutique. Il faut que le modèle MMOP devienne un modèle MMOPK. Il faut aussi accélérer la coordination des soins autour du patient, notamment avec des équipes agiles, ESCAP, ETS, les équipes traitantes de soins. Et aussi, dans le cadre de l'autonomie de la profession, il faut reconnaître le statut d'enseignant-chercheur biappartenant en kinésithérapie.